Eh bien, bonjour à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo IRL, vu que vous êtes nombreux à m'en demander souvent. Et ne vous inquiétez pas si c'est assez étrange comme point de vue, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. En fait, dans la région où je vis, même si on est en été actuellement, eh bien, on se croirait plutôt dans The Last of Us. Kim n'est pas là, elle est partie une semaine, elle m'a laissé. Et c'est les intempéries, même si c'est l'été, bah y a de l'orage, y a des éclairs et j'ai rien à faire, ça fait. Enfin, je suis avec mon chat, heureusement qu'il est là, parce que sinon je serais en train de devenir fou. J'ai rien à faire, ça fait 2 jours en fait que j'ai pas électricité, j'ai pas. J'ai plus d'eau chaude, punaise, j'ai plus d'eau chaude, le ballon d'eau chaude. Non, le réfrigérateur fonctionne plus, puisque bah, y a plus d'électricité, donc tout ce que j'ai acheté quand j'ai fait les courses, hein, et bah, tout est bon à jeter à la poubelle. Je viens de manger 2 crèmes chantilly chocolat. Pourquoi? J'aime pas ça, les crèmes chantilly chocolat. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, le chat? Il est fou aussi. Viens! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Avec quoi tu joues? Moi aussi, je veux jouer. Ouais, je mange des crèmes chocolat chantilly, j'aime pas ça parce que sinon bah, ils sont plus bonnes, il faut les jeter et on s'en fout, c'est ma vie, pourquoi je raconte ça? J'ai remarqué sur la caméra qu'il me restait, je crois, 10 minutes de batterie, je veux voir ça. Ah bah, je peux pas voir quand on filme, c'est super. Et donc, vu que j'avais rien à faire, plus de batterie, ouais, tiens, mais mon téléphone, là, je peux vous le montrer. Et bah, j'ai pas de batterie. C'est super cool, de toute manière l'écran est cassé et on s'en fout aussi, donc je m'éclaire avec des bougies, il pleut, il y a de la grêle, à quelques kilomètres d'ici, il y a des balles de golf, enfin de la grêle qui sont tombées, qui ont éclaté des toitures et cassé des voitures, c'est des rebelles, ils cassent les voitures. Sinon c'est sympa, j'ai un truc qui est pas mal, est-ce que je peux vous le montrer? Ah, je peux vous le montrer, il y a ma mère, elle m'a passé son iPad, c'est cool. Sauf que c'est un iPad qui fonctionne pas avec la 3G en fait, et donc du coup c'est que avec le Wi-Fi internet. Et vu que plus personne dans la région à je sais pas combien de kilomètres, et bah y a aucune borne Wi-Fi, et donc du coup bah, j'ai pas internet. Alors qu'est-ce que je fais toute la journée? Ok, son iPad, je sais pas ce qu'il a, faut peut-être régler ça dans les options. Et bah je joue à un jeu d'avion. Qu'est-ce que tu fais, chat? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je vois rien, attendez, j'ai une lampe torche. Si je vois pas où est ma lampe torche aussi. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Il est en train de manger. Et bah, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de d'un jeu d'avion où il faut que je fasse atterrir. Sinon, on m'a passé aussi un poste de radio où il faut mettre des piles. Et bah, j'ai pas de piles non plus. Et donc, du coup, bah voilà, je m'ennuie. Je fais une petite vidéo. Je sais pas quand est-ce que je pourrais la poster. Non, l'hélicoptère, faut le faire atterrir sur le H. Vous avez des avions, faut les faire atterrir sur les. Bon, cela c'est un niveau difficile puisque ici vous pouvez le voir, c'est assez flou. Et bah, il y a le vent qui rentre en compte, donc il y a certaines pistes, et bah, en fonction du vent, elles changent. Donc, les petits avions, faut les faire atterrir sur les petites pistes. Et les gros avions comme ceci, faut les faire atterrir sur les pistes rouges. Voilà, on n'est pas au ski. Et les hélicos bah, sur le H, qui est logique. La vidéo s'arrêtera peut-être sans que je vous dise au revoir, ça sera en fonction de. Ouh, punaise, c'est un gros avion. Pardon. Et là, je sais pas combien de batterie il reste, donc ça s'arrêtera comme ça aléatoirement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Désolé si je vous donne pas trop de nouvelles. C'est juste bah, que je m'ennuie à mourir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Moi, je vais arrêter avec le jeu d'avion. J'ai rien d'autre. Je crois que j'ai un jeu de labyrinthe avec une grosse boule. Lorsque je le fais, ça rend fou le chat. Je vais peut-être pas le faire. Enfin, je garde la batterie aussi, hein, parce qu'après. Donc, je m'éclaire à la lueur des bougies. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais pas. Je suis en train de manger des M&M's. C'est cool les M&M's. On va croire que je vais faire de la pub après. T'es où le chat? Viens dire bonjour à la caméra. Viens. Dis bonjour à la caméra pendant qu'il y a de la batterie. Attends, je veux pas t'approcher trop près de la bougie. Je pense. Regarde, c'est une caméra. T'as vu? Allez, attendez, je vais essayer de vous le montrer. Non, il a peur de la bougie. Il a rencontré la bougie hier pour la première fois de sa vie. Et il s'est cramé les moustaches. Hein? T'es cramé les moustaches. T'as vu, c'est la caméra. Regarde, je suis en train de filmer. Je suis en train de devenir fou, hein?
Ton maître est en train de devenir fou. Ah, il me reste 5 minutes de batterie. Bah, qu'est-ce que je pourrais dire pendant ces 5 minutes? Tout de même, je sais même pas si cette vidéo je la posterai. C'est plus un délire qu'autre chose, histoire que je puisse m'occuper. Si j'avais plus de batterie, j'aurais peut-être parlé pendant plus longtemps. En tout cas, venez m'aider. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être marrant à vous dire? Bah non, je m'éclaire avec des bougies. Là, ça va, il pleut pas dehors. Je peux pas vous montrer parce qu'il fait nuit, tiens. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à YouTube en ce moment? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne secondaire. Je voulais. D'ailleurs, je vous avais demandé sur Twitter de me passer des adresses pour faire des Hunger Games, puisque je voulais faire une longue vidéo Hunger Games pour la chaîne secondaire pour parler de 2-3 petites choses. J'ai commencé à faire ça bah, juste avant la coupure. Ah non, la coupure de courant, j'étais en train de jouer avec Az. J'allais faire la vidéo après Hunger Games et. Enfin, coupure de courant. Ouais, coupure de courant dans. Je crois qu'il y a 15 000 foyers aux alentours qui n'ont pas d'électricité. Et donc je voulais juste te dire, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne secondaire et je m'en excuse, c'est juste que. Ah pardon, j'étais en train de me moucher pour ne pas changer. Ouais, c'est vrai que je vais juste en parler rapidement. Là, je vois que par contre ça s'est affiché 3 minutes. C'est vrai qu'il n'y a plus trop de vidéos. J'avais essayé de faire des let's play un peu tous les jours, mais au final, en prenant du recul, c'est quelque chose que je trouvais sympa à faire. Mais c'est pas moi en fait, c'est pas ce pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos et c'est pas non plus. Je préfère revenir. Enfin, la chaîne secondaire pour moi, ça a toujours vraiment porté son nom, c'est vraiment secondaire. La chaîne principale, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je pense ne jamais abandonner puisque les tests, vraiment les tests avant tout, les délires, les découvertes et autres, c'est toujours ce que j'ai aimé faire. Et après, bah, j'ai essayé de faire ça, mais c'est vrai que ça me ressemble pas. C'est plus, j'ai pas voulu copier, mais j'ai voulu être peut-être dans la tendance sans le vouloir. Je sais pas de ce que pouvaient faire les autres gens. Et au final, c'est quelque chose que je trouvais sympa à faire, mais je préfère plutôt me concentrer à faire d'autres tests. Et j'avais beaucoup d'autres choses à dire. C'est pour ça que je voulais faire un long Hunger Games, mais là, je vois qu'il y a 2 minutes de batterie, donc je pense que j'aurais pas le temps de tout dire. En tout cas, bah, je vais en profiter pour tous vous remercier. C'est vrai que il y a pas mal de personnes qui me disaient que, par exemple, j'avais 270 000 abonnés, je crois, et seulement 50 000 personnes qui regardaient. J'avais répondu bah, que pour moi, c'était pas grave. Le principal, c'était que les 50 000 ou 40 000 qui regardaient et bah, appréciaient ce que je pouvais leur proposer. Pour moi, c'est vrai que. Bah, c'est toujours dommage. Moi, je sais que par exemple, il y a des chaînes, je regarde toutes les vidéos d'une personne en particulier. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais je suis toujours pas abonné. Je mets peut-être un an avant de m'abonner à une chaîne. Donc, c'est vrai que je trouve ça peut-être dommage que de s'abonner, sachant que moi, j'ai jamais forcé, j'ai jamais demandé dans les vidéos à s'abonner à ma chaîne. C'est vrai que c'est un petit peu peut-être dommage que d'avoir autant d'abonnements, mais moi, ça m'est égal, je suis pas là pour avoir des vues, c'est juste, par exemple, dans mon cas, je suis abonné à très peu de chaînes et quand je m'abonne, c'est vraiment parce que je sais que je vais regarder. Et je vois qu'il reste plus qu'une minute de batterie, j'espère que cette vidéo, je l'ai vraiment faite parce que je voulais pas faire quelque chose vraiment de classique. Je sais pas, qu'est-ce que j'aurais pu filmer, toute merde, j'en sais rien. J'aurais pas fait. Là, je pense que je l'ai fait parce que je m'ennuyais et j'ai plus de batterie, ça va couper. Dans tous les cas, je sais pas si je la posterai, peut-être en bonus. Moi, je vous remercie vraiment pour toutes ces années de vidéos et enfin que vous puissiez me supporter et me suivre depuis toutes ces années parce que c'est quand même une sacrée expérience. Et si du jour au lendemain, comme là, je le vois, j'ai plus internet, je peux plus faire de vidéos, bah. Et bah, je serais vraiment très triste. Voilà, je serais très triste. Non, je pense que si je pouvais plus faire de vidéos, je jouerais plus aux jeux vidéo non plus. Parce que pour moi, faire des vidéos et jouer aux jeux vidéo, je pourrais pas jouer aux jeux vidéo. Parce que quand je joue, je me dis forcément, ah, quand je finis un jeu, faut que je le fasse en vidéo pour vous le présenter. Et si je pouvais que jouer et ne plus faire de vidéos, pour moi, ça serait. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre en fait. Voilà. J'essaierai de le redire dans une prochaine vidéo. Je sais pas combien de fois j'ai dit vidéo. J'essaierai d'expliquer ça un petit peu plus clairement. Mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre parce que si je sais pas pour quelle raison j'arrêtais de vous proposer des tests ou autre, et ben je préférerais arrêter de jouer également parce que moi, terminer un jeu,
J'ai forcément quelque chose au fond de moi qui fait que j'ai envie de vous en parler, envie de vous montrer des belles images. Et je sais que, par exemple, BB300 ou Hooper, je cite eux puisqu'on a commencé vraiment avec les mêmes bases. Je sais que de temps en temps, je parle avec eux et ils sont toujours dans cette même optique. Après, ceux de nos jours, maintenant, je ne sais pas comment ils voient les choses, mais je parle vraiment des personnes qui sont comme moi. Et bah, je pourrais pas jouer et sans que je vous propose quelque chose en retour. Ouais, mais c'est qu'elle tient, elle dit qu'il n'y a plus de batterie. Elle est encore là, la caméra. Elle est encore en train de filmer la bougie et mes gros doigts. Bon, quand est-ce que tu t'éteins là? Parce que ça commence à faire long. Hein. Après, je ne veux plus avoir de lumière. Bon, bah, moi, c'est pas grave. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais retourner sur mon jeu d'avion. Musique maestro. Et je vous dis à plus tard, les amis. Je suis fou. Non, non, l'accident. Ah mince, je voulais mettre le son plus fort. Continuez. Retry. D'accord, en fait, la caméra, c'est vraiment une blague quand même. Parce qu'elle me dit qu'il y a zéro batterie et elle filme encore. On aura tout vu. Bon, bah, c'est pas grave. Tiens, bah, je vais vous montrer moi quand même. Comment je pourrais faire pour vous. Hé! Hey, rentre pas dans l'autre avion, c'est de la triche. Hé! Hey, lui, il voulait sortir du paysage. Est-ce que je peux mettre une mise au point? Non, je peux pas là. Pour que vous puissiez mieux voir. De toute manière, je pense que vous vous en fichez. Et vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. C'est une vidéo moisie, mais elle me fait patienter. Parce que j'ai rien d'autre à faire, c'est tout flou. Et je peux pas faire de mise au point en filmant. Peut-être qu'en reculant, oh, c'est peut-être mieux comme ça. Alors là, le vent a changé, donc je suis obligé d'aller ici maintenant pour poser ce fichu avion. C'est peut-être un peu fort. Mais moi, ça m'explose les oreilles. Hé, hé! Oula. Tiens, on va faire le gros tour. Tiens, on vient là.